Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler gestuel, on va parler smartphone tactile et on va parler de personnes aveugles et malvoyantes. Quels gestes peuvent être utilisés pour gérer un smartphone tactile lorsqu'on est malvoyant ou lorsqu'on est aveugle? Je vais tenter de vous montrer ça dans cette vidéo. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo. C'est très important pour la continuité de la chaîne. Pensez aussi à votre petit like, ça aussi, ça encourage la chaîne et ça m'encourage à vous faire encore plus de contenu. C'est parti et surtout, n'hésitez pas, partagez cette vidéo en masse. En route pour la gestuelle spécifique aux personnes aveugles et malvoyantes sur smartphone. Alors surtout merci à toutes les personnes qui me suivent depuis déjà très longtemps, merci pour votre confiance et merci aussi de partager, de liker les vidéos. C'est vraiment génial de pouvoir créer cette communauté qui est vraiment très spéciale sur YouTube. Voilà donc, comme tout le monde sait, on a des smartphones aujourd'hui tactiles, des tablettes qui permettent aux personnes en situation de handicap, telles que les personnes aveugles et les personnes malvoyantes, de pouvoir gérer un iPhone ou de pouvoir gérer un Pixel 4a, un Pixel 6, un Samsung, un Xiaomi et tout autre appareil pouvant être tactile. Sur ces smartphones, on va retrouver différents lecteurs d'écran. On va retrouver par exemple VoiceOver que l'on trouvera sur iOS. Dimanche 9 janvier. Mode édition. Aucun autre événement. Photo. Appareil photo. 1600 notes. Rappel, une tâche, horloge, 11h06. Donc, une gestuelle très spécifique. J'avais d'ailleurs déjà fait des vidéos à ce sujet et je ferai donc d'autres vidéos spécifiques à la gestuelle VoiceOver pour les iPhones ne comportant pas de bouton Home pour voir ensemble de nouveau une petite vidéo récapitulative sur la gestuelle VoiceOver. VoiceOver est donc le lecteur d'écran propre à iOS et macOS sur les iPads ainsi que sur les Apple Watch. C'est-à-dire que l'intégralité des appareils Apple reste entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Aujourd'hui encore, malgré que Android rattrape énormément son retard, iOS a quand même toujours une petite longueur d'avance côté accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. D'ailleurs, je compte sur vous, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez vous-même comme système d'exploitation. Êtes-vous plus Apple iOS? Êtes-vous plus Android? Êtes-vous plus Windows? Ça m'intéresse vraiment pour diriger dans les prochaines semaines différentes vidéos que je pourrais éventuellement vous faire. On va donc parler maintenant du lecteur spécifique Android, celui que l'on nomme... Déverrouille. Appareil déverrouillé. Lanceur d'application Pixel. Accueil. Celui que l'on nomme Talkback. Talkback est un lecteur d'écran très spécifique pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyants et personnes aveugles. Équipé en plus de Brailleback, vous allez pouvoir jumeler par exemple des bloc-notes et des plages braille à vos smartphones et tablettes sans aucun problème. On va donc voir comment par exemple décrocher, raccrocher, pourquoi faire une vidéo sur la gestuelle spécifique de Talkback. Et bien tout simplement, c'est qu'il y a une multitude de gestes qui peuvent aider les personnes en situation de handicap visuel. Simple, efficace, on retrouve par exemple pour faire exactement la même chose, 1, 2, voire parfois 3 gestes différents pour faire la même chose. Je trouve ça assez important, comment par exemple utiliser Talkback sur un smartphone Pixel 4a, donc un smartphone de chez Google, mais la gestuelle en grande partie restera exactement la même sur vos Samsung ou sur vos tablettes ou sur tout autre téléphone équipé d'Android. Du moment où vous êtes quand même sur un système assez récent tel que Android 10, 11 ou comme sur ce Pixel Android 12. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Lorsque vous allez faire l'acquisition d'un appareil qui tournera sous Android, l'accessibilité est nativement installée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc aller sur le Play Store et aller télécharger le pack d'accessibilité pour Android. Talkback, une fois présent, vous allez vous diriger dans les paramètres de votre appareil et vous allez vous diriger
sur Talkback et activer Talkback, le lecteur d'écran. Une fois cette fonction activée, toute la gestuelle, bien entendu, va changer. Vous n'aurez plus la même fluidité que vous aviez auparavant, puisque l'écran restera fixe et vous aurez donc une gestuelle à un doigt, deux doigts, trois doigts, voire quatre doigts, suivant ce que vous voulez exécuter sur votre téléphone. Par exemple, ici, mon Talkback est donc lancé. Virgule, dimanche 9 janvier, pluie 5 degrés Celsius, 5 degrés Celsius. Donc, avec un doigt, je vais pouvoir circuler sur les différents items, sur les différents choix de mon écran. Téléphone, écran, message, Play Store, Chrome a une notification, appareil photo, rechercher, recherche vocale, bouton. Donc, ce geste se fait très rapidement en glissant de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Alors, attention, c'est vraiment un geste très rapide. Cette gestuelle, c'est comme si vous alliez gratter quelque chose sur votre écran. Je vous montre ça de près. Assistant, Voice Access as Google Go, Loku, Mago. Je touche à peine mon écran, je gratte à peine mon écran. Voix de vocal, Acapla DTS Voice. C'est ce qui me permet de naviguer sur ces icônes. Lorsque je veux ouvrir l'icône sur laquelle je me suis positionné, je vais tout simplement faire un double tap d'un doigt n'importe où sur l'écran. Acapla DTS Voice. Je vais pouvoir poser deux doigts rapidement sur mon écran et les lever. Play Store. Pour faire une pause au niveau de la synthèse vocale, au niveau du lecteur d'écran. Donc je pose deux doigts, je relève, ce qui va permettre de faire une lecture pause très rapide. Une fois que j'ai ouvert cette application, j'ai deux façons de pouvoir la fermer, en fait de la mettre en arrière-plan. Soit j'utilise un geste de L à l'envers, donc je positionne mon doigt en haut, je descends vers le bas et je fais un angle droit vers la gauche. Lanceur d'application Pixel. Ce geste doit être très fluide et rapide à la fois. Application. Je remonte cette application. Si ce geste vous gêne, vous aurez la possibilité d'avoir des boutons, soit physiques, suivant le smartphone que vous allez avoir en bas de votre téléphone, ou si vous n'avez pas de bouton physique, vous allez retrouver des boutons tactiles, toujours sur le bas de votre écran de votre smartphone. Et si vous n'avez toujours pas de bouton tactile, vous allez avoir la possibilité, avec deux doigts, de faire un geste, là aussi encore très fluide et très rapide, en partant du bas de votre iPhone. Vous les faites glisser rapidement du bas vers le haut. Lanceur d'application Pixel. Paramètres. Photo de profil. Je vous remontre le geste. Je pose mes doigts vers le bas de mon smartphone et je vais faire glisser très rapidement vers le haut mes doigts pour fermer cette fenêtre. Lanceur d'application Pixel. C'est très simple, c'est très efficace et ça permet en fait de fermer les applications qui sont en cours d'ouverture. Ces applications tournent maintenant en arrière-plan. Si vous voulez les remonter, encore une fois plusieurs solutions, vous allez donc avoir un bouton tactile en contrebas à gauche de votre écran qui va remonter ces applications. Si vous n'avez pas ce bouton, toujours avec deux doigts, vous allez faire glisser cette fois-ci vos doigts, mais vous allez les laisser poser sur votre écran. C'est-à-dire que vous posez vos doigts sur le bas de votre smartphone et vous levez vos doigts jusqu'à entendre ceci. Application récente, Acapla DTS Voice, 1 sur 2, dans la liste, 2 éléments. Et ici, va remonter toutes les applications qui sont en cours d'ouverture en arrière-plan. Maintenant, vous pouvez naviguer sur ces applications avec deux doigts, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Vous allez ensuite pouvoir toutes les fermer d'un seul coup avec un bouton bien spécifique sous Android que l'on ne retrouve pas sous iOS. Tout effacer, bouton. Le bouton qui porte le nom de tout effacer. Ou vous allez pouvoir choisir une application de votre choix que vous allez fermer en faisant glisser deux doigts vers le haut. Vous allez jeter cette application vers le haut. Regardez, ici,
En fait, je la jette vers le haut. Cette application s'est refermée et il ne me reste plus que l'application paramètres. Si maintenant je veux ouvrir cette application, j'ai juste à taper deux fois sur mon écran et cette application va prendre l'intégralité de mon écran. Paramètres, photo de profil, appuyez deux fois pour ouvrir le compte Google. Plutôt efficace comme solution. On va parler maintenant de la zone de notification. Cette zone, c'est celle que on va descendre pour avoir accès aux différents paramètres du téléphone, voire même aux différentes notifications. Là encore, les amis, sous Android, on a différents gestes. On peut faire glisser deux doigts du haut vers le bas rapidement. Relais des notifications. 18h49, dimanche 9 janvier. Signal Wi-Fi bon. Signal moyen. Batterie chargée à 100%. Il reste environ 2 15 heures d'autonomie selon votre utilisation. Voilà, donc là, en faisant glisser deux doigts rapidement du haut vers le bas, j'ouvre ma zone de notification. Pour la refermer, ce geste sera deux doigts du bas vers le haut rapidement. Lanceur d'application Pixel, accueil. Les gestes que je suis en train de vous parler sont des gestes qui sont rapides et fluides. On ne stagne pas sur l'écran. Il faut vraiment être très rapide et très fluide dans la façon de fonctionner. Alors, on peut maintenant descendre cette zone de notification tout simplement en utilisant les gestes VoiceOver. Les gestes VoiceOver sont des gestes à angle droit. C'est-à-dire, on va faire, par exemple, les quatre angles droits de différentes façons d'un carré. Ici, si je pars du bord gauche, droite et bas, regardez ce qui se passe. Relais des notifications. Je vais donc ouvrir ma zone de notification. Si je veux avoir accès maintenant aux différents boutons qui vont me permettre de régler mon téléphone, je vais tout simplement faire glisser deux doigts du haut vers le bas rapidement. Réglages rapides. Et j'arrive sur les réglages rapides de mon smartphone. Un geste plus pratique existe, toujours un geste VoiceOver, et cette fois-ci, on posera notre doigt en haut de notre écran et on descendra rapidement en angle droit vers la gauche pour fermer ces applications. Relais des notifs. Lanceur d'application Pixel. Accueil. Voilà comment on va fermer des fenêtres très rapidement des applications en faisant ce geste. Maintenant, je peux avoir accès aux différentes propriétés de TalkBack toujours avec le geste TalkBack en descendant du haut vers le bas en faisant un angle droit vers la droite. Ici, j'ai donc accès à mon menu TalkBack, ce qui va me permettre d'avoir pas mal de possibilités au niveau des paramètres TalkBack, du copier-coller TalkBack, etc. Je vous fais écouter ça tout de suite. Lire à partir de l'élément suivant. Copier la dernière expression énoncée. Donc là, j'avance en faisant des petits pitchs gauche-droite, droite-gauche. Recherche sur l'écran. Masquer l'écran. Vocale. Paramètres TalkBack. Paramètres de la synthèse vocale. Voilà comment on va pouvoir à la volée atteindre les paramètres TalkBack sans devoir se diriger dans paramètres accessibilité et TalkBack. C'est vraiment efficace et rapide. Lanceur d'application Pixel. Accueil. Alors, je pense que je vais faire plusieurs vidéos car sinon les vidéos risquent d'être très longues. Je pense qu'il y aura 3 vidéos à peu près sur toute la gestuelle TalkBack, d'autant plus que je vais vous parler de Android 12 avec les nouveautés TalkBack, les nouveaux gestes éventuellement, la création de gestes, etc. Donc surtout, si vous voulez rien rater sur la chaîne Vision Hightech, pensez bien à vous abonner pour recevoir donc les prochaines vidéos lorsqu'elles sortiront et de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification quand ces vidéos sortiront. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du geste glissé de deux doigts du bas vers le haut pour avoir les applications, mais on a un geste bien spécifique pour aller dans les applications qui sont ouvertes. On va donc se positionner en bas de notre téléphone et on va faire un angle droit, donc en bas à droite,
on va partir sur la gauche et on va remonter. Application récente, paramètres 1 sur 2, en la ligne. Et on pourra fermer toutes les applications qui ont déjà été ouvertes pour libérer de la mémoire à notre téléphone. Alors que pensez-vous déjà de cette gestuelle très spécifique et très accessible à Android via Talkback? Alors, deux possibilités pour faire une recherche sur notre écran. Soit on utilise le geste, on se positionne en haut, sur le côté droit, on part à gauche et on descend. Aucune correspondance sur cet écran. Affichage du clavier français, France, AZERTY. Recherche sur l'écran. Modification en cours, YouTube, zone de modification, terme de recherche. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous permettre de rechercher quelque chose de spécifique sur notre écran. Mais il existe là encore une fois un geste qui n'est pas malheureusement cette fois-ci accessible à tous les smartphones. C'est accessible via Samsung, c'est accessible via Pixel. C'est un geste posé de 4 doigts rapidement sur l'écran et levé. Chercher téléphone. Téléphone. Grâce à ce geste, on va se servir de la commande vocale. Et là, on pourra rechercher tout ce que l'on désire sur l'écran, tout simplement en dictant à Talkback ce que l'on veut pointer. Par exemple ici, chercher Play Store. Play Store. Dans ces conditions, je n'aurai plus qu'à taper deux fois rapidement avec un doigt. Play Store. Play Store. Sélectionné pour vous, titre. Pour ouvrir l'application en question. Plutôt cool, non? Alors, troisième solution, si vous n'avez pas ce geste à quatre doigts possible, vous avez quand même un geste bien spécifique. Et ce geste sera donc le glisser à partir du bas de votre téléphone. On fera donc glisser de gauche à droite et en haut. Cherchez téléphone. Téléphone. Ce geste est donc un L majuscule à l'envers. Accueil. Cherchez Play Store. Play Store. Très efficace et encore une fois, plusieurs possibilités d'exécuter ce geste. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc du geste haut, bas, droite. Menu Talkback, action dans la liste. Qui permet de nous faire apparaître le menu Talkback. Mais là encore les amis, il y a encore un autre geste pour faire apparaître ce menu Talkback. C'est un geste à trois doigts, posé rapidement et levé. Et vous allez voir ce qui se passe. Menu Talkback, action, dans la liste. Lanceur d'application. On a donc, là encore une fois, deux gestes capables de nous afficher le menu Talkback. Donc, une très grande ouverture sous Android lorsque vous avez des difficultés à faire certains gestes. Alors, répondre au téléphone. Comment on va pouvoir répondre au téléphone? Là encore une fois, plusieurs gestes sont faisables. Soit on pourra, comme avec l'iPhone, faire un double tap avec deux doigts, ou alors on fera glisser deux doigts du bas vers le haut. Je vous montre ça tout de suite. Alors regardons ensemble, je vais faire sonner mon téléphone. Téléphone, appel de numéro privé. Double tap, deux doigts. Double tap de doigts, exactement comme sous VoiceOver, j'ai décroché mon téléphone sans problème. Et double tap de doigt de nouveau, je pourrai raccrocher mon téléphone. Lanceur. Alors je trouve ce geste très efficace, mais il y en a d'autres, encore une fois, et ça c'est plutôt cool. Je vous montre ça tout de suite. Le téléphone va ressonner. Maintenant je vais faire glisser deux doigts du bas vers le haut. Et comme vous pouvez voir, j'ai carrément décroché. Deuxième geste qui est plutôt sympa. Et pour accrocher, je vais faire un double tap. Deux doigts. Bouton marche arrêt pour accrocher. Activer. Bouton. On aura donc la possibilité aussi de pouvoir raccrocher avec le bouton marche arrêt. Et d'ailleurs, même sur certains systèmes comme Samsung, on pourra par exemple dédier le bouton volume haut pour décrocher et le bouton marche arrêt pour accrocher. Plutôt très sympa
ce que l'on retrouve pas sur iOS. Lanceur d'écran appuyé deux fois pour... Alors, lorsqu'on voudra lancer une lecture continue, c'est-à-dire le même geste que l'on fera avec VoiceOver, un glisser deux doigts du haut vers le bas, pour faire cela avec Talkback, on tapotera trois fois rapidement avec deux doigts sur son écran. C'est parti. Message. Play Store. Chrome à 5 notifications. Appareil photo. Rechercher. Recherche vocale. Bouton. Google lance. Bouton. Ce geste, triple tape avec deux doigts, lancera la lecture continue. On pourra copier-coller la dernière phrase telle qu'on le ferait avec VoiceOver. Et pour faire ceci avec Talkback, on va tout simplement, par exemple, si je fais accueil, je vais taper deux fois rapidement avec trois doigts. Le texte accueil a été copié. Voilà, donc j'ai copié le texte accueil et je pourrais aller le recoller ailleurs sans problème. Donc le geste de copier deux fois rapidement avec trois doigts. Là, maintenant, on va rentrer dans le dur. Si vous désirez donc circuler dans les différents items de rotor. Le rotor, vous savez tous que sur iOS avec VoiceOver, on fait un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse et on a accès au rotor. Tout simplement, avec Talkback, on va glisser un doigt au bas rapidement ou bas haut pour revenir en arrière du rotor. Écoutez ce qui se passe. Titre, commande, lien, fenêtre. Je vais revenir en arrière. Lien, commande, titre, paragraphe. Caractère, cadence, fenêtre, lien. Et une fois que je suis sur l'item voulu, j'enlève bien sûr mon doigt de l'écran et je vais faire glisser un doigt rapidement sur le haut de l'écran. Aucun élément de type lien suivant. Aucun élément de type lien précédent. Donc je fais glisser un doigt au bas rapidement ou bas haut si je veux avancer de lien en lien ou de reculer de lien en lien. Très efficace aussi lorsqu'on est sur internet. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Si vous le voulez, dites-moi ça en commentaire. Alors, ce geste commande avec un doigt au bas rapidement ou bas haut peut être exécuté avec trois doigts, tout simplement les faisant glisser du haut vers le bas. Lien, fenêtre, cadence. Ou du bas vers le haut. Fenêtre, lien, commande. Ceci avec trois doigts rapidement du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc là encore, des possibilités ultimes, plusieurs possibilités de gestes pour pouvoir utiliser votre smartphone sur Android. Voilà les amis pour cette première vidéo gestuelle Android Talkback. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me montrer ça en barre des likes, à partager cette vidéo si vous avez des amis aveugles ou malvoyants qui utilisent Android. Et surtout, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous sur Vision High Tech. Portez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !